Bonjour, salam alaikum. Stas Sly, artiste afro-soul, reggae. Je suis artiste ivoirien, disons artiste originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des enjaillés. Les enjaillés, vous connaissez, vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu, vous avez déjà reçu un poste certainement à un moment. Parce que les enjaillés, en fait, ça a commencé à ce moment-là. Nous avons, disons que j'ai été contacté par deux amis, deux frères un peu, Taïwan et Djibril Sangaré, qui ont décidé, parce que ces deux frères, deux amis-là, en fait, ils ont une association qui s'appelle les Challengers Ingénieux. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils apportent des réponses aux questions. Des cultivateurs, des gens en rapport avec la terre, vous voyez. Donc le but, en fait, quand ils m'ont approché, c'était de créer. En fait, ils voulaient d'abord faire un single pour parler un petit peu de leur activité, mais à travers une sensibilisation sur le climat, vous voyez. C'est une idée que j'ai vraiment saluée et que j'ai trouvé qui était vraiment bien. J'ai trouvé qu'elle était encore d'actualité et qu'on vivait avec ça à côté de nous et qu'on n'avait pas tendance à en faire cas. Vous voyez? Donc j'ai bien aimé l'idée du single et j'ai préféré qu'on en fasse un concept plus huge, plus big quoi que ça, vous voyez? Donc au lieu de s'arrêter à un single, il fallait en faire un mouvement, voilà. Donc on a cherché, on a proposé, on a trouvé les enjaillés. Les enjaillés, donc ça part un petit peu comme les enfoirés. Donc vous comprenez un peu déjà, soit 50% du truc, c'est qu'en fait notre sujet ne va pas être sur la faim, on va pas lutter contre la faim, mais on va aider à sensibiliser pour la nature, et parce que si vous voulez, la faim, c'est une résultante, en fait. Le climat, c'est beaucoup plus large. Et surtout que, en plus, nous sommes plus concernés parce qu'on vient d'Afrique, notre continent est plus concerné. Pas plus concerné parce que on souffre plus des émissions de gaz à effet de serre, non. Nous sommes plus concernés parce que nous sommes plus appauvris, en fait, par le fait que nous ne prenons pas soin de la nature. Je vous explique, c'est que des fois, entre politiquement parlant, ceux qui acceptent en fait que les déchets soient enterrés chez nous, on a nous-mêmes, on ne prend pas soin de la nature. Et donc, ce qui fait que derrière, les cultivateurs souffrent. On ne peut plus se lever comme ça, tout naturellement, comme avant, où on pouvait se dire, bon, avec mes forces, ma force vitale, je vais choisir une parcelle comme ça de terre. Et puis la travailler, la cultiver tous les matins avec soin, avec amour, pour qu'elle me redonne ce que je lui ai donné. Non, parce que la terre aujourd'hui a d'autres préoccupations. La nature a d'autres préoccupations. Excusez-moi, j'ai tendance à partir comme ça. C'est pas un débat, je suis pas en train de. Non, je suis simplement en train de vous expliquer. Donc en gros, faut pas que je m'emporte trop. Donc en gros, voilà l'idée qui a suscité aux enjaillés. Donc les enjaillés, c'est venu dans une prétention. Parce qu'on a une vision qui peut être beaucoup plus large que ce qu'est les enfoirés. Alors les enfoirés, si ça parle de la famine, mais c'est surtout large par les gros moyens, parce que ça travaille avec des artistes qui ont des gros moyens. Et le contraire, c'est ce que nous faisons, nous, c'est qu'on part sur une grosse idée, mais avec des artistes qui ont peu de moyens. C'est pas grave. On va y arriver. Le plus important, c'est d'y croire, et puis au fur et à mesure qu'un anneau se rajoute en fait à la chaîne, on va finir par y arriver. Donc le single, il a été enregistré avec une vingtaine d'artistes. Je peux peut-être essayer de commencer à vous le faire écouter. Ça, c'est la musique en fait, c'est pas avec les artistes. Depuis que la terre est menacée, qu'avons-nous fait pour la préserver? Protégeons la nature comme une symphonie, tous, tous ensemble, pour vivre en harmonie. Protégeons la la nature comme une symphonie, nature. tous, tous ensemble. Donc, voilà. Donc,
Donc ça, c'est la première musique, hein, la musique sur laquelle il y a eu une vingtaine d'artistes qui ont participé, qui ont posé leur voix. Et donc cette vingtaine d'artistes, en fait, il y a eu Bonnie, on a eu Alice Sofa, Diane Solo, Candice, Frost, Esmond Corée, All Joy, Densky Jag, Jason Kipré, Calice Nda, Lamine Kouyaté, LL Dux, Malaika Lokwa, Stas Sly, Tigide, Maté, Adélise. Vous voyez, on a eu en fait une vingtaine d'artistes comme ça qui ont posé leur voix sur ce projet et qui va sortir. Vous l'avez vu, il met du temps, c'est vrai, parce que des fois ça peut mettre du temps, hein, croyez-moi. J'en sais quelque chose. Ça peut mettre du temps pour sortir quand on veut faire bien les choses. Là, on a eu des problèmes internes, mais rassurez-vous, tout va bien. Justement, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, pour vivre en harmonie, il faut protéger la nature. Comme une symphonie, tous, ensemble. Voilà les Enjaillés. Donc, les Enjaillés, c'est tous les artistes africains qui vont décider comme ça, lors de leurs événements, de consacrer une minute de silence au climat, à la nature. Vous voyez, quand tu as fait ça, tu es enjaillé. Ça n'appartient à personne, c'est pas à moi, même pas aux challengers ingénieux, ça appartient à la nature. On veut simplement ça. Après, vous voyez, on a des organisations qui vont se mettre en place où les gens ils vont calculer qu'il y a du business derrière, comme on dit aujourd'hui avec les enfoirés. Mais l'essentiel, c'est que les enfoirés, ça nourrit des gens, vous voyez. Et donc, les enjaillés, il faut que ça sensibilise beaucoup de gens. Donc, quand vous avez la chance d'avoir 100, 200, même 3, mais disons 1000, 2000, 3000, 4000 personnes dans un concert, 5000, 6000, et que vous demandez une minute de silence et qu'ils se disent qu'ils sont en train de faire ça pour le climat, pour la nature, croyez-moi, ça peut aider. Donc, faisons ça ensemble. C'était mon appel, c'était pour vous expliquer un peu les Enjaillés, mais vous dire que il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont déjà mobilisés en fait pour la nature, mais c'est une chaîne en fait que moi je vous demande. Cette chaîne, rien ne vous demande, rien ne vous empêche pendant votre concert de consacrer au nom des Enjaillés. Ne dites même pas mon nom, c'est pas de moi qu'il s'agit. Au nom des Enjaillés. Les Enjaillés, c'est vous, c'est moi, c'est tous les artistes africains qui vont décider de consacrer une minute de silence pendant leur concert, pendant tout leur concert. On sait que ce principe-là, il est respectueux de la nature. Big up! Yes, I. C'est ce que j'attends de vous. C'était Stan Sly, One Love, Guidance to Everybody, and Love to the Nature. On est ensemble. Je vous ai fait un double salam, là, vous avez vu? Voilà. Big up à vous. One Love. God bless.